Hello tout le monde, c'est Falcon et bienvenue à vous les amis pour votre 30e épisode de notre Let's Live sur Final Fantasy VII. Je suis en compagnie de la Web TV de Level Down, coucou à vous. J'espère en tout cas que vous allez bien et merci à vous pour votre fidélité, à vous YouTube mais aussi à vous la Web TV pour vos conseils, vos pouces bleus, vos commentaires, etc, etc, etc. Il y avait une théorie que je voulais revenir, qui est revenue pas mal, je n'ai pas répondu, c'était dans l'épisode dernier, dans l'épisode 29, comme quoi... Sephiroth et Cloud étaient en fait la même personne. Je ne me prononcerai pas encore, c'est une théorie vraiment très intéressante et qu'on va pouvoir peut-être développer dans les épisodes prochains, mais pour l'instant je me tairai, pas de spoil, et je répondrai à cette question en temps et en heure. Allez, je vous propose que nous mettions les commentaires de la Web TV. Boum, on a le son. Oui, tu me remets le son s'il te plaît, merci. Coucou à toi Willow, bienvenue sur le stream. Et les amis, je vous rappelle que dans l'épisode dernier, finalement, nous sommes arrivés, eh bien, dans la montagne de la mort. On avait commencé à, finalement, à l'explorer en récoltant quelques objets, mais aussi, nous sommes évanouis, nous sommes atterrés, et nous avons atterri, bien, tout simplement, dans le chalet de Monsieur Arlzoff. Attendez, on va voir, et je suis encore un petit peu malade, mais beaucoup moins qu'avant. En tout cas, très heureux de vous retrouver. Orlof, ouais, bon, si tu nous dis ça, c'est pas intéressant. Et donc, je vous avais parlé, eh bien, tout simplement, qu'il y avait une quête pour avoir une invocation en particulier qui s'appelle Alexandre. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons tenter. Et eh bien, écoutez, si vous avez des conseils, je suis preneur. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que ça va pas forcément être facile. Et puis, ben, on verra. Parce que je suis sûr de t'avoir vu déjà quelque part. À toi de me dire. Je ne cache rien, j'ai toujours été transparent avec tout le monde. Donc, voilà quoi. Donc, le but, après cette petite cinématique... Tu sais à quoi je pensais ? À quoi ? Quand on voit un endroit comme celui-là, on se rend compte à quel point la nature est impressionnante. Si quelqu'un m'avait demandé de vivre ici, je l'aurais envoyé promener. Mais laisse-moi te dire que si j'avais dû vivre ici, j'aurais amélioré pas mal de choses. Je crois que l'opposé serait Midgar. Vu sous cet angle, la Shinra ne semble pas si mauvaise. Ouh. Mais qu'est-ce que je dis? La Shinra pas si mauvaise? Oui, en effet. Nous allons baliser la route. Tu monteras plus tard. Ah, ok. Alors. Maintenant, j'en viens à la suite du jeu. À savoir, si je veux poursuivre le scénario principal, il faut que je me rende ici. Mais nous, on va redescendre ici pour, eh bien, tout simplement faire cette quête. Alors, je consulte la carte. Je ne peux pas encore. Eh bien, c'est pas grave. La réponse, tu l'auras plus tard à cette théorie, mais avec la traduction pourrie, c'est pas dit que ce soit facile à comprendre. Oui, mais c'est pour ça que j'aime... Moi, je préfère revenir en commentaire en vidéo, parce que c'est plus facile pour répondre, première chose. Oui. De la neige partout, il vaut mieux faire attention. Quoi? Je vais laisser un repère et commencer à marcher. Pour laisser un repère, appuyez sur la touche OK. D'accord, donc admettons, on est là. Salut Speedy, bienvenue à toi sur le stream. Je sais pas où je vais, hein. Je sais pas où je suis. Je peux toujours pas afficher la carte. Je voulais vous montrer vers où je voulais aller déjà. Alors pour l'instant, je vais garder rouge 13, mais par contre, je pense que... Un petit peu plus tard, si on a la possibilité, on prendra, pour augmenter ses limites, notre ami Seed. Ouais. Attendez. Je suis là. Attendez. Donc la première étape, déjà, pour aller, bien sûr, pour Alexandre, il faut se rendre à la source d'eau chaude. Et il y a des combats. Bla 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 bla. Oh oui, c'est bien, on avait la limite avec couche 13. Limite. Rayon de soleil. Pour moi, c'est bien, comme ça va faire tout fondre la neige. Et j'adore cette limite. Je sais pas, je la connaissais pas. Elle fait super mal. La preuve en image, hein. Voilà. Ok, allez. Oh, restaurer niveau plus 1. Yeah! Bien, on va se faire un max d'argent, vous allez voir. Alors, est-ce que je peux aller en haut ou pas? Non. Donc, faut forcément que j'aille à gauche. Hein. Nous, on vient de droite.
Ah, on est là. Alors. Attendez. Je suis où, là? Mon but, moi, si je me trompe pas, c'est que j'aille... ici. Elle est là, hein, je crois, la source d'eau chaude. Je crois que c'est ça. Donc, on va voir où on est. D'accord, on était là. Alors, faut se dépêcher, est-ce qu'on peut tomber? Ils sont dégueux, ces monstres. Oui. Le problème, c'est qu'il faut que je me dépêche, parce que sinon, on peut mourir... on peut mourir. On peut tomber inconscient à cause d'hypo... à cause de l'hypothermie, hein, tout simplement. Ok, alors vas-y, vas-y, vas-y. C'est pour ça que je voudrais pas perdre trop de temps. Elle est pas difficile en soi, cette quête d'Alexandre. Le problème, c'est que vous savez que je me repère très mal dans les jeux. Et que, bah, vu que je me repère très mal, on peut perdre beaucoup de temps. Et ça, ça m'embête un peu. À noter la magnifique contre-attaque de Rouge 13. Je suis en train de me poser la question si je placerai pas devant Tifa pour faire un maximum de dégâts. Et finalement, elle est pas si nulle que ça en attaque, Tifa. Avalanche! En tout cas, il fait froid dehors et puis on est aussi en train de jouer en bas. En bas, en bas, en bas. En bas par rapport à l'écran où j'étais. En fait, ce qui serait formidable de votre part, ce serait d'être visionnaire de ce que je pourrais penser avant, si vous voyez ce que je veux dire avec le décalage. C'est-à-dire que n'hésitez pas à me dire où est-ce qu'il faut que t'ailles, etc., etc., quoi. Donc là, vous me dites, j'espère que c'est ça en bas. Hop. Ouais. Vous allez me dire, ouais, t'as pris le mauvais truc, c'est ça? Oh, bonjour. Attaque préventive. Ouh la vache. Pas mal, pas mal. Ouais, bon, ça va. Salut. Parfait. Il n'y aura pas de coupure au niveau de YouTube pour cet épisode, hein, comme je vous l'avais dit. Barrière niveau plus 1, c'est cool, merci. Donc, je ne peux pas aller en bas. Hein. Si je veux poursuivre, là, faut que j'aille à droite. Hein. Enfin, c'est ce que je pense. Ok, je suis là. Sur cet écran. D'accord. Oh, la femme enneigée. Souffle froid sur Cloud. Sur Cloud, sur Cloud, sur Cloud, sur Cloud, sur Cloud. Merci. Tiens. Pétasse, va. Oui, c'est très très bien. On absorbe, très bien. Sur Cloud, sur Cloud, sur Cloud. Merci. À droite. À droite 2. Sur Cloud, sur Cloud. Ah bah non. Tue là, tue là. Tue. Tue Nagini, tue. Allez. Voilà. Alors à droite, et avec le décalage c'est chaud. Oui, j'en suis parfaitement conscient, super MP. What? Là j'ai entendu bloup 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 bloup. À droite ici, d'accord. Ah, attendez, si je mets la carte normalement je suis bien. Alors je vais juste me repérer, pour être sûr. Je mets l'écran en pause. Le 14 c'est... D'accord, donc là nous on est bien ici. Ok. Et moi, faudrait que j'aille ici. Donc, on va passer par le sapin, là, et on va remonter comme ça. Toujours à droite, alors. Toujours, toujours, toujours à droite. Je vous propose ça. Oh, tant de vulgarité. Ouais. Moi, je suis comme ça, je suis un thug, moi, vous savez. J'ai pas d'idée de défi, les amis, là, pour la nuit de crône. Ça me plaît pas, ça.
Ok, toujours à droite. Toujours à droite. Ouais. Non! Mais non! Élément. Queue de phénix. Hop. Vas-y. Bam! Merci. Petit rondin de bois à droite, puis sapin à droite. C'est exactement ce que je dis. Merci Alfira, parce que j'ai l'impression que tu connais très bien le jeu. Feu niveau plus 1. Yeah. Donc on a feu 3. C'est bon. Allez, on se dépêche. Alors, à savoir qu'il y a aussi un autre objet que je pourrais vous parler. J'en ai parlé avec Speedy un petit peu avant au téléphone. Et je dois vous avouer que cet objet, je ne sais même plus comment il s'appelle et il est pourri. Donc, voilà. Alors, le sapin, d'accord. Donc là, on est au sapin. Très bien. Et maintenant, à droite. Une fois qu'on sera en haut, on ira à gauche. Pour ça que vous m'avez dit, ouais, cette quête, elle est longue. Et tout ça, on l'avait fait la dernière fois. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Ok, on va... Il faut absolument qu'on se soigne avec Tifa. Magie, guérie 2. Pas sur Tifa. Non, c'est bon. Enfin, si, sur Tifa. Fais guérie 3 sur Tifa. Ils sont nazes. Ok. Est-ce que vous savez si j'aurai bientôt la matéria... comment ça s'appelle? Récup. Ou si je l'ai déjà. Piment, bonbon acide, jus de vrai de citron. Les classiques, quoi. Ok. Après le sapin en haut. Il n'y avait pas de triangle rouge au niveau du sapin, donc ça veut dire que je suis sur la bonne route. Hein. Ouais, c'est ça, le bide sur tes... Merci Speedy pour le rappel. Ça te permet d'annuler le sort mort, et c'est un accessoire, mais bon, on s'en fout. Je serai ton GPS. Oui, merci. Ok, donc là, on continue. J'aime bien la petite musique qui nous accompagne. Donc là, on remonte hein, vers... Ok. Et donc là, je suis là. Très bien. Donc là, je suis ici. Donc maintenant, je vais aller ici. Donc si on n'est pas bête, eh bien, on va à gauche. Voilà. Et on descend. Bla 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 bla. Je prépare mon tutu rose. En fait, vous savez, je veux bien faire des choses pour les Nidcrones, mais pas quelque chose ouais, qui est dans le thème de la connerie, tout ça. Mais je suis quand même pas prêt à me ridiculiser à plus haut point. Ça, je vous le dis complètement. C'est Après, les gens font ce qu'ils veulent, je suis pas là pour critiquer. Au contraire, c'est là pour faire le show, entre guillemets. Mais voilà, je suis plus dans le délire. Ouais, par exemple, j'avais peut-être envie... J'avais, moi, déjà une idée. J'en ai parlé. Boire 1,5 litre d'eau d'une traite. Enfin, genre, tu peux respirer, mais t'enchaînes. Ouais, ça peut être une bonne idée. Alors, la source chaude est là, normalement, je crois. Hein. Attendez, comment je fais? Peut-être là? Faut que je trempe mes mains. Comment je fais? Ah là. Alors, c'est le seul endroit qui ne soit pas gelé. Y aller. Source thermale. D'accord. Donc là, j'ai trempé mes mains.
Ensuite, aller au désert enchaîné. Donc c'est position 14 et on est 15 ou 21. Donc, je repasse directement. Faut que j'aille au 15. Donc il sera actuellement, si je me trompe pas, ici. Le 15, c'est ça. Ou le 21, qui serait ici. Et moi, je suis là. Donc nous, si on n'est pas débiles, on va remonter comme ça. Voilà. Et le but... Moi, je dis le but serait d'aller vers le 15. Tu avais deux chemins possibles sur cet écran. Donc, si je suis pas... Hop, je vais par là. Ok, blablabla, on y va. Le but, c'est de retourner, vous savez, vers la tempête enneigée. Voilà. Ok, bon, il y aura forcément des combats, mais faut que je me dépêche parce que... Quoique, je ne sais pas. C'est là, en fait, que ça se corse pour moi, pour vous dire. C'est là que je comprends pas tout à fait, en fait, les choses. Je ne vous le cache pas. Galitoula ! Diffuser les photos yaoi avec Speedy. Salut à toi, Dom. Bienvenue à toi sur le stream. J'espère que ça va. Allez, fais ça, Cloud. Météorin, normalement, ça devrait faire un max de dégâts sur tout le monde. Je ne sais pas si le temps est suspendu ou pas pendant les combats, en fait. Allez, ça fait le ménage, c'est parfait. C'est du propre! Voilà. Très bien. Ok, ok. Tout à gauche. Ok, et je suis là. Alors. Le but, c'est le milieu de la map. Donc c'est ici alors. Aller au désert enchaîné. Tempête. D'accord. Et après, il faut que j'aille vers la caverne. Donc s'il faut que j'aille vers la caverne... C'est tout à droite. Non ? Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je suis. À moins que je ne confonde avec l'autre truc. Attaque par l'arrière. Normalement, c'est ça. Faut tremper ses mains dans la source d'eau chaude. Faut aller dans la tempête. Et après, faut aller... dans la caverne. Si je me trompe pas. Alors pourquoi nous faire aller position 15 ou 21 pour retourner dans la tempête alors, d'accord. Je comprends mieux. Donc là, je suis là. Est-ce que du coup, je peux aller vers le bas ? Spam la touche pour mettre les drapeaux, ça te dirige mieux quand t'es dans la zone ou la caméra. Mais, vous voyez le problème. Le problème que j'ai... Je passerai 2 heures hein, sur cette quête, j'en ai rien à faire, mais je veux. En même temps, comme ça, ça nous fera une bonne séance pour discuter. Et je vous dis honnêtement... Il faut trouver... Ah, d'accord, faut trouver la caverne. Ok. Mais au moins, comme ça, ça nous fera une bonne séance de level up. Hein. De toute façon, je le préciserai directement par le titre. Mais je vois pas le problème de... Vous trouvez la caverne. Mais la caverne, je l'ai comment? En allant vers le haut? Je vois pas. Parce que... La caverne, je sais où aller, accessoirement, mais...
Normalement, on pouvait y retourner en allant vers la droite. Vers la droite de la source thermale. Heureux Clément. Aïe. Magie guéridon. Là on en a besoin, surtout sur Tifa. Boum. Ok, donc ça devrait aller. Parfait. Bien bien, ça redonne des HP sur Cloud. No Sosai. Pam, pam. Grand passeur, qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Oula, 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 oula! Ouh, la double attaque de Rouge 13 avec la matéria contre-attaque. Magnifique, j'ai adoré. J'aime beaucoup contre-attaque dans les FF, sachez-le. On a un certain pourcentage de chance de contre-attaquer derrière une attaque physique d'un ennemi, et ça, c'est plutôt cool. Mais c'est ça ma question, c'est... Je comprends qu'il fait... Alors... Oui, moi, je vis juste Alexandre. Ah, mais attendez, ce serait pas ça? Attendez, attendez, attendez. Materia tout. D'accord. Tac, tac. Ah d'accord, faut que ça soit en fait une grotte un peu comme ça qu'on pourrait trouver. D'accord, donc au moins on a la matéria tout, ce qui est plutôt bien. Par contre c'est chiant qu'on puisse pas... Moi je vais faire le truc au hasard, hein. Je vais pas vous le cacher. Non. Donc faut vraiment que je trouve une grotte comme ça, c'est ça? Ah mince. Oui, c'est ça, la caverne, on la trouve grâce à la chance. Donc là, j'ai placé des balises. C'est pour ça qu'elle est très aléatoire, cette quête, en fait. Il y a un chemin spécifique, faut juste connaître. Ouais, bah, je le connais pas. Des. C'est la grotte du désert. Au moins, j'aurais eu la matéria tout. Au moins... Je fais complètement au hasard, hein. C'est pas ici. Ouais, mais au moins comme ça, ça me confirme que c'est bien une grotte comme ça, quoi. Voilà. J'ai envie de vous dire. On apprécie. Hein. Oh, les lapins! Oh, les lapins. Les lapins, ils aiment pas le feu 3. Tiens, d'ailleurs, comme ça, je pourrais vous le montrer. Magie. Glace 2. Vas-y. Allez. Moi, je top dans le 1500, là. Wouh! Comment ça, j'étais bon? C'était celle-là? Si, non. Ce qu'il dit qu'il me confirme, c'est pas ici. Glace niveau plus 1. Ouh! Et je comprends pas quand tu dis Alphira que j'étais bon. Bon écoutez, je vais aller par là. Là, je suis tombé dans les pommes, c'est ce que je vous avais présupposé. Ma question est toute simple. Est-ce que là, faut que je retourne à la source thermale pour me tremper les mains de nouveau? Ou alors je peux directement aller... Je peux directement aller à la grotte sans besoin d'y repasser. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça que je comprends pas dans le désert enneigé. Est-ce que je dois... trouver une grotte comme on a eu pour la matéria tout, ou alors est-ce que je peux y accéder par rapport à la carte?
retrouve la grotte Matariatu, rentre et sort pour remettre la caméra et il faut aller à droite. Donc j'attends votre retour. Pensons là, on va... Fonce à droite, là, sur la carte générale. Ouais, mais alors, vous pouvez même pas imaginer le décalage que j'ai avec vous. RT, donc ça veut dire qu'il faut que je recommence. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je vous ai dit, quitte à passer 2 heures, je passerai 2 heures. Donc il faudrait que je retrouve la grotte où il y a eu la Matariatu. Rentre et sort pour remettre la caméra et il faut aller à droite. Donc ça me confirme. Enfin, vous imaginez pas le décalage que j'ai avec vous. C'est hallucinant. Mais c'est pas grave, moi je suis là pour parler avec vous. La quête est longue, vous m'aviez prévenu. Hein. Mais au moins comme ça, je sais ce qu'il faut faire. Plateforme glaciale. Vas-y, c'est bien. Donne des HPA, Cloud. La force, toi, à suivre. Et à toi, et à toi, la voix s'ouvrira. Tu peux y accéder que par des changements de map, pas par le truc général, où tu as vu la grotte avec la Matariatu. Quoi ? Tes mains, une fois, suffit. D'accord, donc ça veut dire que... Ça veut dire que ça déclenche une sorte de mécanisme, donc j'ai pas besoin d'y retourner, d'accord. Alors, tu peux y accéder que par des changements de map, pas par le truc général, où tu as vu la grotte... Mais c'est ça que je comprends pas, regardez. Ma question, elle est toute simple, en fait. Là, on va essayer de se retrouver sur la map pour que je vous montre la carte. Voilà. D'accord. Donc là, je suis revenu là. Super. Donc là, en fait, c'est faudrait retrouver... Vous allez comprendre ce que je vais vous demander, en fait. C'est pas compliqué, mais je vais être sûr que j'ai tout compris à 100%. C'est pour ça, en fait, que j'aille dans une zone. Mais si tu plantais des pics avant chaque blizzard, ça t'aiderait à savoir dans quelle direction tu vas. Je comprends. Ok, bonjour à toi. Bonjour. Avalanche, sûr. Oh non. Super. Je peux faire une queue de phénix directement sur Mademoiselle. Et toi, tu peux... Oh, la double attaque. Parfait. Rayon d'étoile. Allez, finissons-en rapidement. Ici, où tu es là, c'est tout blanc, tu verras pas une autre grotte comme celle-là où tu as chopé la Matariatu. Donc, en fait, ma question, c'est... Quand je suis dans le désert enneigé actuellement, où je suis... Je ne vais pas retrouver une Materia... une grotte, pardon. C'est la seule grotte. Il faut que tu retournes sur le chemin avec les changements de map jusqu'à temps de trouver l'entrée de la grotte. Mais l'entrée de la grotte, je sais où elle est. Je vais vous montrer la carte. Après le combat. Je l'ai vu où elle était, la grotte. Magie, guérie 2.
C'est trop chaud à expliquer, mais je crois comprendre que tu penses que la grotte d'Alexandre est dans la map toute blanche, mais non, rien à voir. Cette map sort qu'à te diriger. Ouais, donc, ça va de pair avec ce que je vais vous confirmer ou pas, on va voir. Une seule fois trempé les mains, ça vous m'avez confirmé. Voilà. Est-ce que je peux afficher la map? Non. Donc là, faut que j'aille encore la map, la carte, pardon. Pourquoi je peux pas afficher la carte? What the fuck? Voilà. Donc là, je sais que la grotte, normalement, elle est ici, si je me trompe pas. Là. Donc là, je peux y accéder par rapport à si je fais un changement de zone ou pas, on est d'accord. Quand t'es dans le désert enneigé, tu trouves la grotte, tout, mais tu rentres pas dedans, tu te fous devant l'entrée et tu spams de piquer vers la droite. Je vais aller dans cette grotte, je sais pas où je suis. Hein. Moi j'y vois quelque chose. Allez! T'es sur la bonne voie là, oui, c'est ce que j'ai cru voir. C'est ce que j'ai cru voir. Allez, glace 3. Ouais, je suis très bien parti. Quel con. Avalanche! Non. Ok. Donc on va se dépêcher parce qu'il faut faire un combat dans une caverne donc contre la femme des neiges. C'est ça, et je peux même vous dire qu'elle a 4000 HP. Donc là, si je me trompe pas, il faut que je touche. Oh, tu as un sacré toupet d'essayer de poser les mains sur moi. C'est même un sale qui a touché cette immonde source thermale. Je ne t'oublierai jamais. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, moi, je vais pas tergiverser. J'y vais tout de suite, par matériel et tout. Alors, du coup, invoquer Odin. Est-ce que... Attendez. Invoquer... Bahamut. Parce que là, en fait, le problème, c'est que cette... Bien sûr, qui était un homme déguisé, hein. Et donc, c'est cette fameuse femme des neiges. Eh bien, peut nous faire confusion. Et ça, confusion, ça nous met en folie. Et c'est pas bon du tout. Donc, c'est pour ça que j'invoque directement, parce que je veux pas peur de... Voilà, je fais un maximum de dégâts. Bahamut plus Odin, ça devrait passer, j'espère. 2406, c'est parfait. Fascination sûre. Normalement, j'ai le ruban sur Cloud, ça devrait passer. Hein. Non, 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 non. Méga éclat. J'espère qu'il va... Il a fait 2400. Il faut au moins que Bahamut tape à 1600. Et dans ce cas-là, c'est bon. On aura l'invocation Alexandre.
et c'est la première fois que je le ferai. Je sous-estime pas ce que dit ce boss, parce qu'il met confusion. Oui, yes, c'est bon. C'est bon. Yes. Je l'ai jamais eu. C'est-à-dire que pour l'instant, dans toute... Enfin, j'ai fait qu'une partie de FF7 au final. Mais je n'ai jamais eu de mon côté Kujata et Alexandre. Pourquoi ? Oui, prends l'avant. Oh oui, on l'a. Oh là 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 là. On l'a. Et je suis trop content. On va tout de suite l'équiper. Si je peux vous la montrer. Alors j'ai eu un gros coup de chance, hein, j'en suis conscient, pour trouver cette grotte, hein, au final. On va regarder dans Materia Cloud. Bahamut, faut que je garde Kujata aussi. Ramu et Titan. Voilà, j'ai envie de vous dire. On l'a eu. Alors là, le but, c'est qu'on va se promener un peu. Puisqu'on a fini au final cette zone. Et Bahamut est badass. Oh que oui. Dégâts qu'on a fait. Je vais tout de suite... Oh oui. Oh mais là, je vais tout de suite vous montrer... Je vais peut-être faire un guerri 2 du coup. Et je vais vous montrer donc... Alors, Titan, Bahamut, Alexandre. 120. Waouh. Là, le but, en fait, c'est qu'on va se promener le temps de... Le temps, eh bien, tout simplement, de revenir au chalet, en étant, eh bien, complètement en état d'hypothermie, et après, on continuera le scénario. Pour moi, je pense qu'on a tout fait, hein. On a eu la matière à tout, et je vous laisse profiter d'Alexandre, avec jugement. Wow! Alors, petite anecdote drôle. Après avoir fait tout le chemin et touché la source, etc., etc., mon personnage est tombé dans les pommes à 1 pixel près de l'entrée de la grotte. Comment vous dire que tu avais, eh bien, tout simplement la... la nerf. Et j'ai vu aussi qu'il y a nos deux nouveaux streamers, il y a Jolan qui est arrivé. Coucou à toi, j'espère que ça va. Je t'avais pas vu depuis longtemps. Je t'ai vu depuis longtemps dans le chat, tu vois, ça serait bien ce que je veux dire. Désolé si je parle encore une fois en canard. Et donc là, on va attendre, hein, tout simplement. Et après, surtout, faudra sauvegarder. J'ai envie qu'on se promène, on sait jamais. D'accord. Mais au final, je veux quand même me repérer. Non, parce que là, je peux toujours pas... Ah ouais, alors en fait, ça va confirmer ce que je pensais. Là, normalement, ah non, on se retrouve pas au désert. Donc là, on attend, hein. Ça sert à rien de... On va faire des combats, on va discuter ensemble, et puis ben, voilà, quoi. Et n'hésitez pas de me dire en MP Twitter les idées de défis que vous pourriez avoir. En fait, je voulais vous dire que les idées que j'avais eues, mais... Je vais les garder pour moi, parce qu'il y en a sûrement deux, en fait, que je vais... C'est quasiment sûr et certain que je vais faire. Voilà, ce que je peux vous dire juste, c'est qu'il est possible que je chante avec une chorégraphie. Voilà. Coucou à toi, Defiora, ça faisait longtemps, j'espère que tu vas bien. Ah ouais, non, mais Alexandre, il déconne pas. Par contre, mais le décalage que nous avons, si vous saviez, on n'a pas une minute, là. On n'a pas une minute de décalage. Là, on a au moins 1 minute 30, voire 2 minutes. Hein. Je suis quasiment certain. Donc voilà, en fait, on aurait pu y aller directement par ici, donc pas besoin d'aller sur la... La montagne enneigée, quoi. La montagne enneigée. J'ai tellement l'impression de faire du Seigneur des Anneaux, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, 16h35, encore 20 minutes et on fera la pause. T'es guéri ? Vas-y. Bam ! Aïe ! Alors, à savoir dans la zone, je vais quand même vous dire ce qu'il y a pour être complet avec vous. Alors, dans cette zone... Il y a un élixir, une potion, une source spirituelle et la bille de sûreté. La bille de sûreté, c'est l'accessoire que je vous ai dit, qui évite d'avoir le châtiment et donc mort. Et aussi pétrification. Et nous avons des matérias. Il y a tout que nous avons, Alexandre et la coupure supplémentaire.
Si vous voulez que je vous explique, donc nous on va pas la prendre, hein, ça sert à rien. Mais on verra quoi. On verra si vous voulez que je vous explique quoi. Alexandre est le papa de Vagnagan. Oui! Exactement. Bam. Ok. Mars Falcon Mass Poutine. Non mais, en fait j'ai l'impression que maintenant sur la web TV il y a... Yuri et Notsinette qui font la fourberie. Il y a Psycho et Glumi. Il y a Jolan et... Voilà, je suis désolé mais je me rappelle jamais, hein. Désolé. Et il va y avoir Falcon et Falcon. Falcon et... Falcon et Barbie, voilà. Bref, donc du coup, nous on est ici, là, ici. J'aime beaucoup en fait le fait de faire le jeu aussi sur PC, parce que comme ça, ça me permet de vous montrer un petit peu. Et donc là en fait, on va repasser toc 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 pour remonter vers le chalet. On va essayer si on tombe pas dans les pommes avant en fait. Te raser la tête en live, oh wait. Oh. Quel décalage de malade, et pourtant je suis en source pour cette fois. Ouais, mais je sais pas, c'est space. J'ai pas envie de faire, vous savez, comme on dit à chaque fois, un top pour faire le décalage, mais... Je me dis que... Voilà. Ça va que c'est du FL, ça va que c'est du RPG, mais des fois je me dis que sur d'autres jeux, j'aurais... Ah, mais je les régène. Éclair, ça va marcher, vous allez voir. J'ai eu un éclair de génie. Je suis désolé de pas me rappeler de vos pseudos, Jolan et Soak. D'habitude, pourtant, sachez que j'ai une très bonne mémoire. En fait, moi, vous êtes nouveau, alors voilà quoi. No worry, start crying. Va bouder. Bref. Tac. C'est bien, comme ça on a plein d'argent là. Moi j'adore les coffres et l'argent comme vous le savez. D'ailleurs j'ai fait une petite dédicace à une personne qui regardera bien sûr le stream en rediff parce qu'elle travaille cet après-midi. Donc dédicace à toi mon wiki FF7, FF10.2, à toi Zach. J'espère que ça va. Et puis bah profite bien de la rediffusion et j'espère que tu seras content que j'ai eu Alexandre. Parce que franchement, c'est on va dire, je vais pas vous le cacher un peu grâce à lui que je me cache pas, que j'ai tenté de faire ça avec vous. Bref, on va essayer de retenter le désert enneigé au final. Et on va pouvoir aller sauvegarder et partir. Attendez. Normalement, si je me trompe pas, il faudrait que j'aille au nord. Parce qu'il y avait l'écho. Voilà. Mais je peux même pas bouger la caméra, bougre de toi. Alors là, on est dans la plénitude totale où on se dit, c'est quand que je tombe dans les pommes. Et je suis tellement content d'Alexandre, quoi. Mais il fait trop mal, Alexandre, en fait. Hein. Je m'attendais sûrement pas à ça. Alors là, bonjour Skype. Skype qui déconne de plus en plus, je sais pas pour vous, mais moi, depuis la dernière mise à jour. Ah, tu nous aimes pas. Arrêtez de dire des bêtises. Bam. Bien. Là, c'est dur à dire, Dom. Hein. Je suis désolé. Allez, les lapins. Là. Ok. Et moi, je veux pas dire, mais pour l'instant, on est bien parti pour faire un petit peu tous les objectifs que je m'étais fixé sur FF7. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, normalement, la logique dirait que je devrais aller vers le nord, mais... Et c'est là qu'on va avoir le maximum de chance, vous allez voir. En tout cas, on a eu de la chance de trouver la grotte où il y avait la matéria tout, hein, je vous le dis. Voilà, alors... Vous savez quoi, j'ai envie de mettre Titan. Grande boue de spro, effectivement, j'ai choisi ce pseudo le jour de ma naissance en me disant que ce serait facile à retenir. Ouais. Re. À re. Bref. Je vous jure que ça marche pas parce que c'est des lapins qui sont en train de sautiller.
J'ai eu peur. Par contre, je suis en train de bouffer tous mes MP avec les invocations avec Cloud. Ok. Bon, bah écoutez, je sais pas. Ouais, vous savez quoi? Je vais pas aller dans le désert. Je préfère autant m'investir et puis tomber dans les pommes. Hein, tout simplement. En tout cas, vous pouvez m'appeler patron hein, aujourd'hui, j'ai l'impression. On se débrouille plutôt bien. Hein. On se débrouille très bien, je trouve. Ça fait plaisir. Comme vous le savez, je suis le meilleur joueur Final Fantasy de tous les temps. LOL. Et voilà quoi. Allez, une attaque préventive. Je vais pas faire la limite, je vais la garder pour après. Eh Tifa, vas-y. Griffe continue. Même pas, c'est totalement inventé. J'ai cherché à m'inventer une identité quand j'avais 12-13 ans sur internet. So hack, ça sonne bien. C'est vrai. En même temps, on a dû te faire aussi quand même des jeux de mots. So hack, so hack, so hack. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Ah, ok, on est là. Ouais, ouais. Elle tombe dans les pommes, là. Écoutez, on va se promener. On va se promener. Et puis, bah écoutez, je sais pas où on va aller. On va voir, hein. Alors, je ne vais pas faire hein, l'autre quête, on va dire, pour la bite, je sais pas quoi. Hein. Ça, je vous le répète, il y a un truc avec des glaçons, j'ai vu ça. Je l'avais vu en let's play, cette quête. Et, on est là, d'accord. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec cette histoire de glaçons et tout. Salut à toi, sorcière. Bienvenue sur le stream. Bonjour, patron. C'est qui le patron? C'est moi. Bref. Lol. Vous pensez déjà que dans une semaine, quasiment, je suis sur Paris. Bref. Bref. Rayon d'étoile. J'aurais jamais dû faire sur lui. On va le one shot. Là en fait on lui a fait 7 fois plus de dégâts qu'on aurait dû. Hop. Oh, lune hurlante. C'est une nouvelle nouvelle limite. Attendez. Limite, rouge 13. Oh, alors du coup, configurer de niveau 3. Yes, et on va donc checker. Je veux juste faire vérifier. Permet de combattre sauvagement. Salut S-Club, bienvenue sur le stream. Du coup, attendez, faut que j'aille par où, moi. En haut ou en bas? Je me rappelle plus. Non, c'était en bas qu'il fallait que j'aille. Triple buse. C'est là toi répondeur, bienvenue sur le stream. Comment ça va? Oui, j'ai réussi répondeur. Merci à toi, ça me fait très plaisir. Tu m'as beaucoup aidé avec ce partage de ff7.fr, la pub. Et puis bah écoutez, j'attends que je tombe dans les pommes. Je pense qu'on fera ça, j'attends que je tombe dans les pommes. On sauvegardera et après on partira en pause et après on fera du... L'objectif de sortir de la montagne dans le scénario principal avant 18h. Je pense qu'on va essayer ça. Pam! Allez, glaçon volant. Ok. Non mais Cloud, non. Tu vas faire au pire feu 2. Tu es heureux d'avoir tabassé un pauvre loup maintenant? Oui. Oui, oui. Oh oui, sauvagement. Hop. Je pense qu'on était là, on est descendu comme ça, je pense qu'on est là. On va donc essayer d'aller à droite ici, là, sur cette grotte-là. Ça pourrait être intéressant, je pense. Si j'en ai la possibilité. Oui, elle est juste là, la grotte. Voir ce qu'il y a dedans. Ok, je sais pas du tout vers où je m'engage.
D'accord, bon. Yes. 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 Bon, bah tant pis, hein. On saura jamais ce qu'il y a dans cette grotte. Vous allez me dire, oh, il n'y avait rien du tout. Alors par contre, je vais aller voir le vieux. Parce que lui, il a quelque chose d'intéressant à nous proposer, blablabla, donc... oui, alors, confirmer l'itinéraire avec OK. Donc c'est la touche rond, d'accord. Tu veux te reposer? Oui. Réussi en 45 minutes, donc ça va, c'est rentable. Oui. Même pas en 45 minutes au final, répondeur. On l'a fait en... On suit en 45 minutes, c'est ça. On va sauvegarder, le plus important. Hop. Oui, merci. Enregistré. C'est bien, en plus, on commencera avec une belle limite météorin au complet qu'on pourra faire avec Cloud. Tac. Allez. C'est moi où ils ont renommé... Il n'y avait pas Izuna, par exemple, sur en appel sur le premier CD. Ou Récup. J'ai l'impression qu'il y a une source de mise à jour, je crois, entre le CD1 et le CD2. Non ? Hop. Oh, j'ai pas sorti le mouchoir pour me renifler, pour me moucher, hein, on est d'accord. Bref, allez. Allez, bougre de vous, qui je suis sûr allait faire un vieux sous-entendu. Eh bien, je vous dis à dans 5 minutes. Allez boire un café, après tout, c'est le live du goûter. Oh, cette magnifique rime. Bref, allez, à tout de suite. We'll be right back.
Allez, re tout le monde, j'espère que la pause s'est bien passée pour vous. Les amis, très important, j'ai l'impression que je suis trollé par Deli. N'hésitez pas à me dire si vous avez un décalage, sinon je relance le stream tout de suite. J'attends donc votre retour. Pour l'instant, je vais continuer de record à côté, mais j'ai l'impression que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. Et à chaque fois, eh bien, vous savez que bon, c'est pas grave, quoi. Bref, j'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Et puis, bah voilà, quoi, j'ai envie de vous dire. Ouais. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, là, y a un truc qui va pas. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et avant que je reprenne, eh bien, directement, j'aimerais que tout soit... C'est sûr que tout soit OK. Ah oui, c'est vrai aussi. Cette fameuse démo de Pokémon, est-ce que vous l'avez testée? Est-ce que vous l'avez aimée? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me donner vos impressions. C'est plutôt important, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt important. Et puis, bah... Ah, attendez, c'est revenu. C'est revenu, c'est revenu, c'est revenu. Non, c'est pas revenu. C'est pas revenu du tout. Et vous allez me dire qu'il y a un gros décalage. Salut Godbidou, bienvenue à toi sur le stream. Par contre, j'aime bien l'originalité de YouTube pour les vidéos proposées today. Oh oui, répondeur, exactement. À 16h, paye ta démo Pokémon. Bref, je ne rentrerai pas dans ce débat. Allez, re tout le monde, on a été un petit peu trollé par la connexion, je pense, ou par Daily, on s'en fiche, on est de retour. Eh bien, pour finalement cette deuxième partie de ce 30e épisode. Puis j'ai envie de vous dire, eh bien, let's go. tu ne ressembles pas à un mauvais doublage de film. Oh, cool. Non, mais c'est une blague pas possible. Ça ne peut pas vraiment exister. Mute son son. Si, si, Fofo, il écoute vraiment de la daube. C'est pire que Mylène Farmer. Oh, mon Dieu. Bon, allez, je check une dernière fois que tout soit OK. Le flux est bon, nickel, on reprend. Donc, re tout le monde. Il va y avoir encore du montage à faire, mais non. Oh là là, il va falloir que je supprime tout ce que j'ai fait. Là, oh là là, oh mais non. Non mais c'est bon, assurez-vous. Bref. Allez, on reprend vers le haut. En tout cas, j'espère que vous aimez cette musique que je vous ai passée en court extrait, un petit teasing qui s'appelle L'ouragan de l'amour. Et nous, on veut sortir d'ici. D'accord, donc. 36 degrés. Comment ça se passe? Ah oui, d'accord. Faut que je monte. Faut que je monte, faut que je monte, faut que je monte. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Alors, comment je me réchauffe? C'est, voilà, comme ça. Voilà, avec carré. Je sais plus à combien faut que je monte. Très bien. Qu'après, pour monter, c'est comme ça. Ok. Tac, 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 tac. Ok, donc c'est là où c'est les parois grises, hein, c'est ça. On a les petits triangles pour tout simplement. Par contre, pourquoi je suis en surbrillance ou... Mon Dieu, c'est bien moche. Merci pour cette musique d'ascenseur. Mais elle est trop bien cette musique, arrêtez. Ouais. Alors, go.
J'arrive pas à voir le stream, mon ordi est pourri. What the fuck? Bah alors, sorcière. Ta chaîne YouTube est sauve. Oui, bien sûr, rassurez-vous. Mais de toute façon, il n'y avait pas le record à un moment où j'ai mis l'ouragan de l'amour. Parce que. Ok. Monte. Alors, il n'y a pas un objet particulier ici à attraper? Non? Oh oui, vous entendez le claquement de mes magnifiques mains sur la manette. C'est magnifique. Tac. Hop. Bon, bah, pas le choix. D'accord, il y a des combats. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours, FF7. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir et je suis content de retrouver sur FF7. Allez, limite météorin sur tout le monde. Non, mais c'est quoi ça? Eh! Pas bien, pas gentil. Allez, prenez tout ça. Ah, il y en a un qui est pas mort. Bombardier extrême. Allez. Pam! Tu aurais pu mettre l'instant X. Non. Bien. Ok, on va se réchauffer. 37, 38 degrés, c'est la température idéale d'un humain. Ouais. Alors là, j'ai pas besoin de me réchauffer, hein. Non. Alors. Il y aurait deux passages, what the fuck. Oh, c'est joli! C'est joli comme tout. Bon, allez. Si on les one-shot, on devrait hein, bien y arriver. Ça ferait possible. Je veux explorer à fond cette zone. Ah ouais, non. Heureusement pour les one-shot parce que. Mais ils sont durs. Je crois qu'on les avait vus, eux, déjà. Dans le château de Nibelheim, le château Shinra. Ouais, je crois qu'on les avait déjà vus. Alors, comment ça se passe? Comment je fais pour aller là-haut? Faut que je ressorte? Ah, ok. Bah, va par là. Moi, je suis pas un humain. Moi, je suis mieux que ça. Magie. Allez, on va essayer Glace 3. Tentons, tentons, tentons. Le vomi toxique. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Bam. Allez, Glace 3. Je veux que ça fasse un maximum de dégâts. Oh oui, ça c'est cool. Bien. Bien, bien, bien. Oh, il rapporte plein, plein, plein d'expérience. Donc là, il n'y a rien. Ok. Là, on avait... Quoi? Ah. Attendez, c'est moi ou... C'est quoi là, à droite? Non, il n'y a rien. Ok. Javelot. Là, sur cette map, descends tout en bas à gauche, tu as un ruban caché. C'est bien ce que je me rappelais, Speedy, ce que tu m'avais dit. Alors. Sur cette map, en bas à gauche. Alors, boum. Vomi toxique. Oh.
juste sort du combat et rentre dans le mur en bas à droite. En bas à droite donc. Tu y étais. Ouais, donc c'était avant où j'étais avant le coffre. D'accord. Le sous-sail. Oui, ouais, c'est où j'ai dit quoi. Ouais, oui. J'ai dit, il y avait un truc bizarre à ce qu'on voyait à un moment. Je vois de quoi tu parles. Quand j'ai fait quoi, j'ai dit ici. C'est à peu près. En bas à droite. Voilà. Nickel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a un ruban, donc ça veut dire que c'est parfait. Donc on va l'affecter tout de suite à Tifa, qui est notre magicienne. Ruban. Voilà, merci. Alors, j'ai... Attendez, il y a un truc. J'ai deux chemins. J'ai pas inspecté la partie en haut du mur, enfin du passage en bas à gauche. On va aller voir par là, on sait jamais. Le tasson. Ah. À nous d'attaquer là. Merci. Pam, pam. Yes. Ouh. Parfait. 72 000. Ouais, donc, est-ce que... Non, donc je ne peux pas, d'accord. Et si je vais par là, ça fait quoi hein? Merci pour les astuces. Ouais, par contre, si on se tape à chaque fois les chauves-souris... Oh là là, magie, feu de. Par contre, sous-estime pas le boss de la fin de zone ici. Ouais. Alors, je me pose la question si je vais pas retourner en bas parce que je veux confirmer que ça nous donne bien ici là. Donc, on va faire ça. Je sais, je fais beaucoup d'allers-retours, j'en suis désolé, mais je veux tout explorer à fond, je ne connais pas la zone. Donc voilà, on était ici. Voilà, il y avait... Je suis en train de dire n'importe quoi, ça se trouve. Et je peux descendre ici. Des attaques magiques dévastatrices, et surtout quand il meurt, il lance une attaque suicidaire. Et c'est d'avoir un personnage assez haut HP. C'est un peu comme le boss dans FF9 dans Memoria, si tu te souviens. Oh, Meteor Drive. Ah, il a mutisme, salaud. J'espère que. Ça n'affecte pas pour le reste du combat. Hop. Attendez. Ça ressemble un peu à l'outil. Putain, j'ai... Je me demande si le passage en bas à droite, là... Vas-y, vas-y, parce que... Bonjour Coria, bienvenue à toi sur le stream. Comment vas-tu? Je veux quand même être sûr. Je veux être sûr. On verra si ma théorie est bonne avec le petit triangle vert. Si on pouvait sauter ou pas. Hop, hop, et hop. Je garde pour l'instant mes MP en prévision. Ok. Ouh ! Ok, vas-y. Vomi toxique. Euh...
Oh oui, c'est bien ça. Bombardier extrême. Oula. Fait des attaques magiques dévastatrices. Niveau 46 hein, déjà. Hein. Ça fait plaisir. Donc, je reviens là pour me dire que c'était bien ça en effet. Oui, d'accord. Et faire tomber le rocher. Bah oui. Ce qui provoque. D'accord. Ok. D'accord. Donc, c'est parfait. Donc, maintenant, on revient sur nos pas. Voilà. On fait ça. Et cette fois, on revient de l'autre côté. Puisque maintenant, on a débloqué le passage. Ok. Le mec, il réfléchit trop ou pas assez. Par contre, magie guérie 2. J'aimerais bien avoir guéri 3, si c'est possible, les amis. Paf. Ok. Centre de lune, petite bulle d'écume, poussée par le vent, je brûle et je m'enrhume. Ah bonjour Aureline, je ne t'avais pas vu. Comment vas-tu? J'espère qu'on ça va. Cher Père Noël, je voudrais bien voir Falken avec des cheveux longs et des tresses comme les Vikings. Merci Papa Noël. Non. Le Père Noël, il n'existe pas. Comment ça va Aureline? Donc, on n'est pas débile. On revient par en bas. On fait ça, voilà. Et cette fois, on a débloqué le passage sans tomber. Je dis bien sans tomber. Donc tu fais ça, ça fait tout le tour d'ici. Voilà, et maintenant nous avons le passage pour aller vers le nord-est. Parfait. Ah, j'en avais un peu marre des chauves-souris, je ne vous le cache pas. On va peut-être faire... vous savez ce qu'on va faire, le lance-flamme. Parce qu'on aime bien ça. Magie. Je ferais bien un petit éclair 2 pour tout le monde. Autant utiliser la matière tout, hein. Parfait, rouge 13. Parfait. Hey, Falken, t'as vu Aureline a parlé dans le chat, il va neiger. Oui, faut croire. Bien. Éclair 2 sur tout le monde. Normalement, je peux peut-être en tuer un. Voilà, dans le fond, hein. C'est ce que je pensais. Attention. Oh, rouge 13 esquive bien, ça fait plaisir. Ouh, mais les coups critiques qu'on fait. Ça, c'est la materia chance, hein. C'est sûr et certain. Vous imaginez même pas. Hein. On fait 2000 rien qu'avec une attaque pour un coup critique, ok, mais... Quand même, quoi, j'ai envie de vous dire. Quand même. C'est ok. On est encore ensemble pendant... alors, attendez, je sais calculer. 3 quarts d'heure, c'est ça. Enfin, 44 minutes, précisément. Et puis, ben, on continue. On va peut-être avoir 100 000 gilles, hein, vous allez voir. Ok. Bon, c'est très joli, mais voilà, hein. Boum. D'ailleurs, je vous ai pas noté le nom de cette zone qui s'appelle dans la falaise de Gaïa. Gaïa. Je dirais Gaïa, moi, pas Gaïa. Gaïa. Non. Oui, ça va très bien. Je te remercie. Ça va très très bien. On a eu le coffre. Ah d'accord, on est là, d'accord. Ok, donc ça apparaît... Oh, d'accord. Ok, c'est bon. J'ai repéré où on était. Et... Ah, ok. Très bien, donc nous on va nous réchauffer, d'accord, donc c'est peut-être en plusieurs parties. Donc on va monter rapidement. À droite ou à gauche. Monter. Monter pour se réchauffer. Dans le fond. Dans le fond, dans le fond, dans le fond. Ouais. Ok.
Vas-y, monte. Je check pour voir s'il n'y aurait pas une matériau ou un élément. Aller à droite ou descendre? Bah, va à droite. Il n'y a pas possibilité d'aller en haut, donc... Ou par contre, 34 degrés. Réchauffe-toi, réchauffe-toi, réchauffe-toi. Ok, il n'y a pas de... Non, donc on peut y aller. De toute façon, on va bien voir. Hein. Pas d'éléments, pas de tout ça. Ok, bon, bah pour l'instant, ça va, j'ai envie de vous dire. Alors... Ah, ça m'a foutu la trouille. J'ai appuyé sur la confirmation OK pour monter et je tombe sur un combat. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Invoquer. Invoquer Alexandre. Oh. Je vais le ressusciter. Ouais, le Père Noël. Mais non, il n'existe pas. Vous connaissez cet ennemi que j'adore? Vous savez, dans FF10, c'est ce qu'on appelle... comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle cet ennemi dégueulasse? Que je kippais à chaque fois! Dans La Peine Foudroyée, dans FF10-2. Attends, j'ai un trou de mémoire. Désolé. J'ai vrai... Là, franchement, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. Mais je sais plus comment il s'appelle, moi. Ok, vas-y, monte. Encore un passage, hein, à gauche et à droite. Je regarde s'il n'y a pas un objet brillant. Hein. Un xylomide, voilà. Merci pour la précision. Ton vieil ami, le xylomide. Ouais, mais face à Alexandre, il pouvait rien faire, le pauvre petit. Par contre, tu vas juste un petit peu te dépêcher, là, s'il te plaît. Vas-y, 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 dépêche-toi, Cloud. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Déjà, il y a un truc là. Le Morbol. Ouais, moi, plus connu sous le Xylomide. Il y a un point de sauvegarde là-bas qui peut être intéressant. Comment je fais? Comment je fais pour aller là-haut? Bon, bah, est-ce qu'on peut monter? Non. Il y a des combats. Mais en tout cas, on l'a défoncé avec Alexandre et ça, c'est bon. Le Xylomide. Ouais, c'est le Xylomide. Oh, qu'est-ce qu'il est pas beau, lui. Qu'est-ce que c'est que ça, là, cette... Quoi? Ah, souffle magique. What? Mais on s'est fait... Toi, t'aimes pas le feu. Pas sur Tifa! Oh, ça va. Prends ça, connard! Ok. Bon. Parfait. 80 000 gils, parfait. Donc au final, on va déjà, première chose... Comment je fais? Je peux pas accéder ici. What the fuck? Hop. Bon, déjà, tu vas enregistrer mon mignon. Enregistrer. Il s'appelle Raoul parce que Raoul le dégueulasse. Ah, mais ce truc là, souffle pétricide ou ce que vous voulez, qui vous met dans toutes les altérations d'état, c'est bon. Je l'ai fait parce qu'on avait Ruban. Hein. Je tiens à vous le préciser, juste comme ça. Bam. Hop, hop, hop. Bon. Je me rappelle un petit peu de ce passage. Je crois que la suite de la zone, c'est en haut, à gauche, là, triangle. Mais nous, il va falloir qu'on aille d'abord par là. Après de nombreux combats, j'espère que... Non, ça va. Tu attaques. Tu attaques. Ah, mince. C'est pas grave, tu vas faire du coup la vie ici. Tu vas attaquer. Par contre, faudrait vraiment que je fasse un guéri après.
Allez, un ennemi en moins. Deux ennemis en moins. Vomi toxique. Alors, souffle magique, très bon talent de l'ennemi. Ça fait énormément de dégâts. Ouais, je suis content de l'avoir eu. Du coup, magie guérit 2 sur tout le monde. Vomi toxique ne marchera pas normalement sur ni sur Cloud, ni sur Tifa. J'ai le ruban. Hein. Oui. Salut à toi, Ice Gamer. Je t'avais pas vu. Autant utiliser la matéria couverture avec celui qui a le plus de PV. Peut-être pour protéger les PV bas. J'aime bien, mais le problème, c'est que ça met trop en danger au cas où si la propre personne qui a la matéria couverture n'a pas assez de HP. Ok, donc, go ici. Voilà, nous on va aller ici sur la droite. De toute façon, je pouvais pas. Hein. Non, je pouvais pas. Allez, 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 attaque par l'arrière. Je ne veux pas skipper les combats parce que je veux pas être démuni face à un boss. Ok, allez, allez, allez. Pourquoi c'est toujours Cloud ? Voilà, parfait. Genre, c'est Tifa qui va nous sauver, quoi. Bombardier extrême, ça fait trop mal. Oh, parfait. Meurs ! Merci. Ok. De rien, je vois que le temps avance. Oh, contre-attaque niveau plus 1, parfait. Bon, bah allez, on se bouge un peu les fesses quand même, j'aimerais, si possible. Hop, vas-y, va par là. Ah ouais, ça y est, je m'en souviens. Alors, comment ça marche? Ah oui, si, ça y est, je m'en souviens de ce truc. Eh oui, c'est ça. À chaque fois que je vais aller... Ouais, vous allez comprendre. Mais c'est normal que je donne envie de jouer FF7, je suis tellement bon que... Voilà. Le classon. Magie, éclair, ultrason, bien, attaque, oh mais il y a bon, des chauves-souris, mais foire, non, magie, guérie. Est-ce que j'ai installé la démo de World of Final Fantasy? Non, pas encore. Je me méfie parce que... Je me méfie, voilà. Aouh. Attendez, c'est pas dès que je fais une attaque physique, une contre-attaque avec des stalactites, là, ou stalagmites. On sait maintenant d'où les pingouins de Madagascar viennent. Oui. Est-ce que vous l'avez installé, la démo de World of Final Fantasy? Je sais que mes plus proches amis l'ont fait, ils attendaient que ça là, depuis cette nuit. Ah, trop bien! Enfin, j'avoue que je suis pas du tout hypé par ce jeu. Désolé, mais... Oh, et en plus, je suis passé à côté. Alors, sauter dans la pièce en contrebas. Non. Bracelet feu. Non. Voilà. Je voudrais mettre tous les blocs avant de redescendre, en fait. Puis surtout, aller au coffre. Plus important, j'ai envie de vous dire. Ok, bon, je me prends pas la tête. Vous savez quoi? Invoquer... Tu vas invoquer Bahamut. Voilà. C'est bon, ils font masse de dégâts, là. C'est bon, ils ont saoulé, quoi. Sans blaguer, ils ont saoulé.
Et je jure, si ça fait un raté sur les chauves-souris. C'est donc pour ça que tu te méfies. LOL. Donc vous confirmez, dès que je fais une attaque physique, ça me fait une contre-attaque avec les stalactites. Allez, au revoir. Parfait. Il donne masse de masse d'XP en plus, ça fait plaisir. Ok. Je pense que normalement vous avez compris ce que ça débloque. Hein. Sauter dans la pièce. Non. J'en ai rien à faire, je vais faire ça. Hein. Je vais être obligé parce que. Il me saoule. Bah, les chauves-souris et machin, là c'est bon. Invoquer Pashiva Odin. Allez, go. Ultrason. Ouais, par contre, le problème, c'est que j'ai mutisme, je peux pas invoquer. Mince. Eh ben ouais. Quel bêta. Tu vas attaquer. Et avec Cloud, je vais faire invoquer. Ou Jata. Au pire, on va se faire un petit guéri après. Tétrazésastre. Normalement, ça devrait faire masse de dégâts. Ah, tu parlais de la démo de Zach, oui, le World of Final Fantasy. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça a l'air assez long comme démo et ça fait plaisir. Bien sûr, quel débile. Quel débile ce gogol de mec. Tomber de glaçon, ça fait... Quand même. Dans une salle spécifique où tu auras le point de sauvegarde par la suite, avant le boss, tu auras que des dragons à tuer. En les tuant, tu les obtiens des bracelets de dragons. Essaie d'en avoir quelques-uns. À voler donc. Mais elles sont ultra sonnes ces chauves-souris. Oui. Ouh. Moi je dis, eh. On a obtenu une canine de vampire. Sauter, non. Oh là là. Il n'y a que des combats. Je veux juste avancer. Ah non, c'est bon. Du coup, limite, lune hurlante. Je sais pas ce que ça fait, mais on va voir. Super. Magie. Feu 3. Ça fait quoi? On va voir. J'ai l'impression que ça va faire... comme le Berserk, comme la tenue Berserk, la vêtisseur Berserk dans FF10 2, ça nous a mis en... Fury. Ouh, que oui. Bien. Essaie d'avoir la résistance à la glace et au feu pour le boss après ou absorption carrément et t'es tranquille. Je l'ai sur Cloud. Non, tu vois, oui. Je l'ai sur Cloud, c'est sûr et certain. Pourquoi toujours sur lui?
Bon, allez. Non, pas voler, juste en les tuant, et ça te les loot automatiquement, ok. Saute surtout pas au dernier, prends le coffre avant de t'approcher du bord et sauter. Oui, non, toujours oui. Saute surtout pas au dernier et prends le coffre. Ok, bon, c'est bon. On fait ça, ça. Donc, sauter, non. Je veux méga élixir. Oh, c'est marrant ça. On aurait pu croire qu'il y avait quelque chose. Alors du coup, je peux sauter ou pas? Non? Je peux pas sauter alors. D'accord. Bon bah on revient. Hein. Hop. On revient. On fait ça. Et on fait ça, 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 ça. Vite, dépêche-toi, 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 s'il te plaît. Alors je suppose que là, ça doit être la suite. Logiquement, j'irai. Oh là là. Toujours des combats. Toujours, 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 toujours. Par contre, j'ai plus beaucoup. Oh. Aïe. Ok, allez, vas-y. Je vais te faire un petit guéri. Allez, boum. Parfait. Bombardier extrême. Je redoute. Ouh. Tac. Il est intelligent, ce stalactite. Il attaque le plus dangereux. Oui, tout à fait. Aïe. Merci! Ouh! Tu peux sauter, fallait juste approcher du bas tout en haut à droite. Oh, je suis à niveau plus 1, parfait. Ah, surtout pas utiliser ici. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Donc au final, on fait ça, ça, ça. Voilà. Source de rapidité. Ah, ça c'est intéressant. Donc du coup, on a tout. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va claquer. On va claquer ensemble dans éléments. Une tente. Je sauvegarde. Boum. Je peux sauter, fallait juste approcher en bas à droite. C'est pas grave. Hop. Allez, dépêche-toi. Hop, 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 hop. Tu vas sauvegarder ici. Voilà, parfait. Niveau 47 déjà. Parfait. Oh, les combats, 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 les combats. Stop. Ok, bon, les chauves-souris, voilà, hein. Allez, faut qu'on attaque le plus fort possible. Double attaque! Yes! Allez, dégagez! On a une bonne équipe, je trouve. On a une très 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 bonne équipe. Vraiment, ça fait plaisir. On est blindé d'argent. Donc maintenant, bah, vous avez compris, hein. On passe. Hop. On saute. On a des combats. Comme d'hab. Ok, éclair. Est-ce que selon vous, je devrais rapprocher d'un cran au niveau de la position Tifa? Raté. Éclair 2 devrait faire pas mal de dégâts. Ouais, après on n'aura plus qu'à les finir. What? Vomi toxique. C'est bien, c'est bien. Fais sur Tifa, fais sur tout ça, t'as raison. Pam, pam.
Quoi ? Il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je comprends pas là ce qu'il a fait. Oh là là, on est reparti avec des petits drops. Non, j'ai pas relancé, hein, je suis désolé, mais j'ai pas relancé. C'est ce que je me disais. C'était bizarre. Oh. Oh là 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 là. Allez, je continue. Hop, hop. Hop, nous avons ici super et oh super épée. Ouais, je baisse vachement en attaque. Oui, avance Tifa. Donc vous êtes d'accord du coup. Position. Non, c'est config. Non, pas config. Là, c'est. Voilà. Allez, go. Voilà, donc, notre théorie était bonne. Passe par là. Hop là. Et on repart de l'autre côté, d'accord. Ça va faire maximum de dégâts. Allez, encore un combat. Ok. En plus, en attaque préventive, c'est parfait. J'espère qu'on va pouvoir tous les one-shotter. Parfait. Eh ben non. Eh ben non. Aïe. Voilà. C'est parfait. C'est nickel. Bon, Skype, tu commences à me saouler. Tu le sais, ça, ou comment ça se passe? Allez, re tout le monde. On est reparti avec la Web TV pour cette, finalement, dernière toute petite partie. J'ai baissé un peu le flux, donc la qualité va être moindre, et on y va. Ok. Donc, hop, 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 et on monte. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Monter, aller à gauche ou aller à droite? Aller à droite, vas-y. Je sais pas où je vais, mais... J'y vais. Quoi, y'a rien? Tu rigoles, là? Non, 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 non. Je veux pas que je tombe en hypothermie. Monter. Aïe 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 aïe. C'est rebond, on attend que le jeu ne se saille. Et on se réchauffe, on se réchauffe, on se réchauffe, on se réchauffe, on se réchauffe. Tac 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 tac. Stream, oui, mais un décalage son bouche horrible. Ouais, bah ça j'y peux rien. J'ai relancé je sais pas combien de fois le stream, donc je vous cache pas que j'ai envie de faire un peu autre chose. À droite, il y a rien. Vas-y, monte. Voilà. Non, mais non, tu fais ça. Voilà. Encore down. Non, c'est pas possible, quoi. Live déco une nouvelle fois, c'est pas normal. C'est pas bon du tout. Tac. Allez, on continue.
Je dois juste me rendre au prochain point de sauvegarde, si c'est possible. D'accord, donc il n'y a rien ici. On peut se réchauffer. On peut se réchauffer. On peut se réchauffer, les amis. On peut se réchauffer. Il n'y a rien par là? Non. Et on continue de monter. Ton, 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 ton. Allez, go. Ok. Point de sauvegarde. Point de sauvegarde. Méchante Ali. Méchante plateforme de stream. Méchante. Ok, allez, on y va. Tac, tac. Bam. Parfait. Allez, vas-y. Tac. Non, tu vas pas utiliser ta limite. J'espère que ça ne les soigne pas. C'est bon. Voilà. Allez, go. Parfait. Hop. Point d'enregistrement, oui. Hop. Sauvegarder. Hop. Allez! Tac, 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 tac. Ok, eh bien, comme je pense que je dois être tout seul de mon côté, eh bien, je vous remercie YouTube d'avoir regardé ce 30e épisode avec ces petits problèmes de stream et de flux, hein, encore une fois. Bon, c'est pas grave, hein, rassurez-vous. Allez, je vous fais des bisous, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à partager, liker et commenter la vidéo. Je vous dis donc à très bientôt, à partir du 1er novembre, pour la reprise des streams et la suite de nos aventures avec Cloud et ses amis. Allez, bye tout le monde.